Nora vient de recevoir des images du Père Noël survolant la forêt équatoriale d'Amazonie, une des ressources naturelles les plus importantes du monde. Le Père Noël doit sûrement oxygéner ses poumons ici, puisque les arbres et les plantes de la forêt équatoriale produisent plus de 20 % de l'oxygène du monde. Saviez-vous que la forêt équatoriale d'Amazonie reçoit près de 3 mètres d'eau chaque année? Elle abrite aussi plus de 500 espèces de mammifères, 175 sortes de lézards et plus de 30 millions d'insectes rares. C'est un sacré échantillon de biodiversité! Pour découvrir la prochaine destination du Père Noël, restez en contact avec NORAD. Pour NORAD, sur la piste du Père Noël, je suis le lieutenant de vaisseau Alain Blondin de la Marine royale canadienne.